Ce sont des peintures de Jean Scully, dont on fête cette année le 200e anniversaire. Il a laissé libre cours à son pinceau. Tout en habitant Lyon, il venait à Villette. Il a été hébergé chez sa cousine, qui lui a même installé un atelier. C'était son premier logement. Il a représenté des scènes champêtres qui se passaient à Villette, et spécialement au bord de l'Ain. Il a passé 40 ans dans le village de Villette, tout en étant très investi dans le village. Là, vous voyez, à la fin de sa vie, avec son mégot rougeoyant. On tient beaucoup à mettre en valeur l'église qui a cristallisé toujours la vie du village dans laquelle il s'est impliqué. On tient beaucoup à restaurer tous ces tableaux. C'est ça le patrimoine. Cette synergie entre l'architecture, la peinture, ça dont on voudrait que les Villettois et tous les dombistes se saisissent pour continuer à faire vivre toute cette richesse des villages.